En fait, j'avais pas vraiment prévu faire de mise en scène. Et quand j'ai lu le texte de Mario, j'ai changé d'idée. Hey! Allô! Allô, papa! Je trouvais que c'était un texte intelligent. Très intelligent, ce que tu viens de dire là. Mais je pense que tu viens d'y faire encore plus. C'est un propos qui me parlait au bout. Ça donne vraiment des avertissements et des très bons conseils de vie. Pardonnez, tu lâches plus. C'est ton autre genou qui lâche. C'est extraordinaire de partager la scène avec Diane. Je l'admire depuis longtemps. Je suis frustré. Que rêve! Très agréable avec Mario. On est très complices tous les deux. Beaucoup de regards, beaucoup de respect. Sa voix coupe tout le temps. Je regarde la caméra trop proche, une grosse face où j'ai zoom. Le zoom est rentré dans nos façons de faire, dans nos vies. Maman, je vous entends pas très bien. Oh, maman, m'entends-tu bien? Ah, là, ça marche, c'est bon. Hey, c'est pas compliqué, là. Ça fit parfaitement avec ce qu'on veut faire de la pièce. Je peux pas croire que nos deux enfants sont pas capables d'être là avec nous autres pour entendre ce qu'on a à leur dire. Ça, c'est un autre de nos défis. Parce que nous, on est sur scène puis on ne les voit pas. Toi, maman, tu vas faire quoi à Hawaii? Ah non, je m'en vais pas là, moi. Bon, enfin, une parole sensée. Le gros du travail, ça a été ça, qui fit avec nous autres, puis nous autres de fitter avec eux autres. Mais quand ça marche... C'est très agréable. On a rencontré deux jeunes comédiens excellents. Ça a été formidable. On devrait être en business en 2022. Ou qu'on va être en business. Je monte des shows à succès. Et juste des hits! Fait qu'ils vont encore vouloir m'engager comme metteur en scène, c'est bien évident.